Dans le cadre de sa tournée de restauration et de rafraîchissement spirituel, le couple Apotri, premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a rendu visite aux adolescents de la zone spirituelle de Bengerville. Ce dimanche 17 novembre 2024, ce sont plus de 112 enfants et leurs ministres qui ont pris part à cette rencontre d'édification qui s'est tenue dans le jardin du Temple de la foi et de la prière. Avec pour objectif de gagner 2 millions d'enfants sur les 6 millions d'Ivoiriens que le couple Meynier, missionnaire national de la CMC Côte d'Ivoire, s'est fixé d'ici à 2065 si le Seigneur tarde à venir, le pasteur Jean-Paul Apotri et son aide Anne ont décidé de poser le solide fondement de la vie chrétienne, les bases de la formation des disciples dans le cœur des enfants. Leur cible première étant les adolescents, depuis le 13 octobre 2024, c'est la visite dans les zones spirituelles avec le même objectif et le même message. Nous sommes en train de travailler pour 2065 et c'est donc à cette date butoir-là que nous voulons faire le bilan de nos objectifs qui est en Côte d'Ivoire de gagner 6 millions d'Ivoiriens. Il va sans dire qu'avec toute la fougue et le courage que nous avons, il nous sera difficile de pouvoir poursuivre avec la même énergie si nous n'intégrons pas nos enfants dans cette bataille-là. Et c'est en cela que nous sommes en train de sensibiliser nos adolescents, la classe de 12 à 21 ans, pour qu'eux aussi comprennent qu'ils sont importants et qu'il y a lieu donc d'être sérieux, il y a lieu donc de s'engager davantage, se mettre à part, donc se sanctifier, fuir le péché, pour être des instruments sur lesquels Dieu peut venir s'appuyer pour nous aider à bâtir et gagner des âmes jusqu'à 2065. Les adolescents, cette catégorie d'enfants dont l'âge est compris entre 10 et 19 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est confrontée à de multiples choix qu'offre la vie. Parmi ces choix, le choix de donner la vie à Jésus est très déterminant. C'est pourquoi, dans son adresse, le pasteur Jean-Paul Apotri a amené les adolescents à accepter volontairement la vie que Dieu leur donne en Jésus et à faire le meilleur choix en décidant, selon Jean 1, les versets 12 à 13, de devenir enfants de Dieu. Si nous décidons que nous allons le servir, on commence par le servir, on commence par fuir le péché, se sanctifier, abandonner tout ce qui est mauvais. C'est ce qu'on a expliqué, non? On est d'accord? Je disais donc qu'il est impératif pour toi aujourd'hui que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que nous venons les dimanches, ce n'est pas pour nous amuser. Nous venons adorer Dieu consciemment. Dans notre tête, nous avons décidé que notre corps, notre âme, notre esprit sera pour Jésus-Christ. Et si tu es un de nos enfants, tu dois comprendre que c'est comme ça que tu dois être un amoureux de Jésus-Christ. Donc nous sommes devant un choix. Chacun de nous doit décider. Par ailleurs, comme témoignage d'appui au message livré aux enfants, le frère Jérémy Ouattara, ayant traversé victorieusement la période de l'adolescence, a en quelques mots relaté son histoire. Ce que vous pouvez retenir, c'est quoi? C'est que dans toutes les situations, apprenez, vous êtes mature, vous êtes grand, vous êtes grand, vous êtes 15, 16, 17, 18 ans ici. Apprenez à vous asseoir, quelle que soit la situation, pour dire à Dieu, ah, voici l'état dans lequel je me trouve. Ah, Seigneur, aide-moi à résoudre ça. Dieu va toujours répondre. Mais toi, tu ne dis rien. Et puis, tu prends ta route. Et puis, tu vas à gauche. Vas-y, mais moi, tu m'as rien dit si tu m'as cherché. Sinon, tous les frères, ça qui ont voulu passer pour une façon, ils ont beaucoup connu des crises, tous les grands hommes de Dieu. Mais leur force a toujours été aller à la présence de Dieu et lui demander, mais lui dire, voici le problème. Je fais comment? C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, à côté, sachez avec qui vous marchez. Le monde, c'est comme ça. Ceux qui veulent réussir, ceux qui ont la grande vision. Voilà, moi, au niveau professionnel, j'ai vraiment de grandes visions de haut niveau. Mais ça, là, il faut savoir avec qui tu marches dedans. Comment garder ta vision dedans? Tu marches avec ceux qui ont une vie bizarre, c'est des personnes qui vont impacter des codes moraux. Tranquille. Tu marches avec des gens qui pensent loin, tu vas penser loin. Les gens qui voient loin, tu vas voir loin. Tu marches avec des gens qui sont mûrs de la foi, tu seras mûr de la foi. Tout en invitant les adolescents à revoir l'état actuel de leur cœur, le pasteur Jean-Paul Apotri leur a soumis un exercice pratique, celui d'énumérer tous les péchés emmagasinés dans leur cœur et ceux déjà commis. Riche dans le fond, la rencontre a été d'un grand intérêt pour les adolescents de Bengerville.
Engagés à obéir, plusieurs se sont exprimés via le micro de la RTVC. Gloire à Dieu, je suis la sœur Joël Ilana Ayemou. Je suis de la zone de Bingerville. Aujourd'hui, j'ai retenu de cette rencontre que c'est l'état de notre cœur que Dieu regarde et que nous devons nous sanctifier, nous devons sanctifier notre cœur pour pouvoir être de véritables enfants de Dieu. J'ai aussi retenu que c'est vrai que nous sommes des adolescents, que nous passons par la crise d'adolescence, mais nous ne devons pas laisser nos pulsions, nos hormones nous submerger, mais nous devons nous accrocher au Seigneur pour pouvoir demeurer en lui. Amen. Je suis la sœur Henri Naomi, j'ai professeur des disciples frère Kwaku Siméon de Bingerville. Moi, ce qui m'a marqué durant cette rencontre, c'est que le pasteur Apotré a parlé des adolescents. Il a dit de se confier à Dieu, de marcher selon ses commandements et de ne pas laisser l'adolescence nous conduire vers le péché. Et je prends l'engagement de me revoir, de marcher selon les commandements de Dieu. Nous avons parlé en quelque sorte du péché. Ce qui peut entraîner un adolescent à laisser Dieu. Nous avons parlé aussi du péché, la compagnie à l'école. Bon, certains comportements que tu as qui peuvent te détourner de Dieu. Mais personnellement, j'ai compris que pour suivre Dieu, nous, c'est l'état du cœur que Dieu regarde et non pas l'homme. Amen. Je suis la sœur Ouattara Fatim, mon frère de disciple, c'est pasteur Traillé. Ce que j'ai retenu, c'est que on a certains péchés en tant qu'adolescent qu'on devrait laisser pour pouvoir être plus proche de Dieu dans notre vie. Et on a certains comportements qui déplaisent au Seigneur. Donc ce que moi j'ai retenu, c'est que je devrais retravailler sur moi-même, essayer de m'examiner pour pouvoir laisser des péchés. Gloire à Dieu. Ici le frère Gédéon. Aujourd'hui, c'était une très grande rencontre. On a pu recevoir la visite du pasteur Apontri. Il nous a beaucoup conseillé. Il nous a aidé à savoir comment marcher selon la parole de Dieu. Tout ça, c'est fait par des exercices. On s'est beaucoup exercé et le pasteur Apontri nous a parlé de l'état du cœur. Je décide d'examiner mon cœur et puis de marcher selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes très contents pour cette visite. Nous en avons vraiment besoin. Et cette visite nous a permis de comprendre que le ministère aux enfants est un ministère très sérieux. Et ce travail nous a permis aussi de comprendre que le tout, ce n'est pas d'être ministre, mais il faut travailler dans la vie des enfants. Et ce travail nous a permis aussi de savoir que nous avons du travail. Parce que c'est vrai que nous sommes là, nous sommes des ministres aux enfants, mais aujourd'hui, à travers ce travail, nous avons compris qu'il nous faut doubler d'efforts. La tournée se poursuit et le prochain rendez-vous est pris le 24 novembre 2024 à la Riviera.